Les gouttes de pluie résonnent sur les cadres en carbone et les masques accentuent l'anxiété des athlètes. Tout va bien. À quelques minutes du départ, au cœur du Vercors. Le Vercors, c'est aussi notre terrain de jeu à tous les deux et à nos amis du club, puisqu'on est passionnés de triathlon, on est pratiquants. Et au fur et à mesure des sorties que l'on a pu faire avec Joël, mais avec d'autres, on a réussi à tailler un petit parcours qu'on trouvait très sympa avec comme l'a dit Joël auparavant, le fameux col du Mont-Noir. Mais aussi un tout autre endroit qui nous tenait énormément à cœur, c'est le cirque de Combe-Laval, le col de la Machine, un panorama somptueux, certainement un des plus jolis endroits du Vercors. Donc voilà, il a fallu attendre quelques années et jusqu'à l'année dernière où on a décidé avec Cédric de se lancer tous les deux déjà à la base et d'organiser ce Vercorsman. Le nom, il est tombé comme ça d'un coup, d'un seul. Vercorsman, le petit nouveau des triathlons longue distance qui profite malgré lui des annulations en cascade pour devenir l'épreuve d'ouverture de la saison. Le Vercors enrichit un peu plus son histoire faite de résistance et d'adaptation aux conditions environnantes et des coureurs apprécient. Mon objectif est toujours le même. Je veux faire pour le meilleur résultat. Je suis content que nous avons la possibilité pour faire une épreuve comme ici aujourd'hui. Le parcours est vraiment très beau pour moi, mais le temps n'est pas avec nous, mais j'espère le meilleur. Je suis très heureuse de prendre le départ d'une course. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré que ce soit sous le soleil et pas sous la pluie. C'est toujours plus compliqué à gérer sous la pluie parce que c'est dangereux à vélo, donc il faut faire attention. Et puis on a moins chaud, donc c'est moins agréable. Mais franchement, c'est super bien de faire une course déjà et c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors c'est de l'excitation là, parce que ça fait un peu comme un lion en cage depuis 10 mois. On s'entraîne beaucoup, mais on attend que ça de mettre un dossard, voir si ce qu'on a fait à l'entraînement, ça paye pas. On a envie de vérifier, donc c'est un peu comme si on révise le bac et qu'on a enfin l'examen, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est sûr que les athlètes qui n'ont pas couru depuis un an, quasiment un an, c'est vrai que là ils sont impatients de remettre un dossard, avec toujours l'interrogation de savoir un petit peu où ils en sont. Donc c'est vrai que c'est une année particulière. Donc après il faut faire avec, beaucoup d'interrogations, mais la chance d'être au départ d'une course et surtout bravo à l'organisation qui a réussi à tenir le coup jusqu'au dernier moment. Donc je pense que c'est surtout eux qu'il faut féliciter et maintenant en espérant que la course se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis et que tout le monde prenne un maximum de plaisir. Par groupe de 20, toutes les 20 secondes, les 350 inaugurateurs donnent corps à cette nouvelle course rêvée, dessinée et mise en scène par Addiction du lieu. L'eau est froide, la température extérieure digne d'un mois de décembre et le brouillard emprisonne les sommets. Il en faut de la passion pour tenter de transformer une journée pourrie en expérience souriante. Après ces dames, au tour des messieurs de s'élancer avec plus ou moins d'assurance. Le programme est complet. 2200 mètres de natation au pied de l'aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans. Deux boucles d'un peu plus d'un kilomètre chacune, histoire de profiter à fond de ces décors magnifiques et d'une eau à 15 degrés. Les plus expérimentés portent deux bonnets sur le crâne pour limiter les effets du froid. Une fois sortis de l'eau, les coureurs s'élanceront sans doute transis pour la plupart d'entre eux sur un parcours vélo qu'il est préférable d'avoir étudié de près. 120 km, 3100 mètres de dénivelé positif, le tout dans des conditions climatiques très défavorables. Enfin, le Vercorsman, premier du nom, s'achèvera par 22 km de course à pied entre ruelles et chemins, sans oublier de passer par l'aqueduc à 35 mètres au niveau de l'eau.
Sur le papier, les organisateurs ont vendu du rêve et c'est bien cela que ces pionniers sont venus chercher. Jérémy Lemeur est triathlète, mais possède un sérieux passé de nageur, capable de réaliser un 1500 en un peu plus de 16 minutes. Licencié à l'Omnisport de Vernouillet, il se porte rapidement en tête de la flotte masculine et revient progressivement sur les premières dames parties 5 minutes devant lui. Jeanne Collonge le disait en introduction, la reprise de la compétition était une nécessité et même s'il est... douceurs de l'été ont abandonné provisoirement les contreforts du Vercors. Les concurrents apprécient ce presque retour à la normale avec gourmandise. Jérémy Lemeur a gommé l'écart qui le séparait de Jeanne Collonge pour finalement sortir le premier de la bourne. 28 minutes pour couvrir les 2 km 200 de natation. Il devance Étienne Dimanche, Romain Guillaume, Éric Mérino, Thomas Navarro, Timothy Van Houten. Quelques auteurs de grosses performances. La meute des poursuivants possède quelques arguments à faire valoir et les moyens d'animer cette première édition du Vercorsman. Allez, ça va être un des garçons à suivre sur ce parcours à des temps de référence sur lequel on va étalonner avec les 2200. Maillot trempé, sans doute le bout des pieds gelé. Romain Guillaume préfère lui s'équiper un peu plus chaudement pour attaquer le parcours cycliste. William Menson a du mal à trouver les manches de son haut. Il faudra attendre quelques kilomètres pour pouvoir enfin retrouver des sensations. Il le connaît parfaitement. La deuxième unité qui sort de mon caradan, la nageuse de Monaco qui est bien. Tandis que les premiers messieurs s'élancent sur ce parcours cycliste, la première dame fait son apparition et sort de l'eau. Enfin, première dame, c'est Jeanne Collonge, 35 minutes, 19 secondes sur 2200 mètres. Pas mal du tout. Double vainqueur de l'Embrunman, de l'XL de Gérardmer, du 73-3 du Pays d'Aix, vainqueur du Naturman, vainqueur du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Le palmarès est éloquent et l'envie de performer toujours aussi forte. Surtout après de longs mois de sevrage. Pendant que Jeanne s'équipe, Carla Dahan, elle aussi, est sortie de l'eau. La Niçoise a fait son apparition dans l'air de transition. Récente troisième du triathlon de la Montagne Noire, la jeune femme possède 1 minute 30 de retard sur sa rivale. Troisième position, on la voit de l'eau. Aurélia Boulanger, la championne de France 2019, version longue distance, est à 2 minutes de Jeanne Collonge. Le geste est lent, la souffrance masquée à peine par sa paire de lunettes. Diego Van Looy est frigorifié et à 10 minutes des plus rapides. Le Belge, vainqueur de l'Embrunman 2018, champion du monde de duathlon longue distance, est au bord de l'abandon. Les bosses de Roche-Chinard en guise d'échauffement, ou plutôt de réchauffement. La troupe a quitté la douce rive de la Bourne pour se jeter dans l'âpreté du parcours vélo. 120 km, 3100 mètres de dénivelé positif et une route qui a été balayée par la pluie. Jérémy Lemeur a passé le relais, c'est maintenant au tour des grosses cuisses de s'exprimer. Étienne Dimanche est un athlète généreux, connu pour son aptitude à dynamiser les courses et parfois
manquer de jus en bout de dernière ligne droite. L'Auvergnat est blessé au mollet gauche, une contracture handicapante a priori, mais à pied, pas à vélo. Alors, dans les premiers lacets qui mènent vers le col de la machine, le Dossard 10 donne le tempo. Nouvelle couleur pour William Menson, vainqueur de l'Embraman 2019. Il a rejoint le club de Monaco, auquel appartient également cet homme, Thomas Navarro. Ils sont respectivement deuxième et troisième à cet instant de la course. Manche longue et gilet, Romain Guillaume a pris ses précautions pour attaquer le parcours. Vélo puissant, déterminé, le Jurassien apprécie ses tracés sollicitants. Témoin ses victoires l'an passé sur le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez, mais également sur l'Ironman de Lanzarote en 2014. Changement d'ambiance, purée de poids pour tout le monde. Il fait froid, 5 degrés à peine, et la visibilité est quasi nulle. Les pointillés servent de repère. Un caillou sur la route, comme tant d'autres, projeté par les dernières pluies, et c'est une situation qui bascule. Crevaison pour William Menson, Dossard numéro 6, qui percera encore une fois quelques centaines de mètres plus loin. Fin de la partie pour celui qui avait également remporté le Ventoux-Man l'an passé. Thomas Navarro, Étienne Dimunch, c'est désormais le mano à mano que propose la course. Navarro a repris les 3 minutes de retard qu'il possédait sur Dimunch à la sortie de l'eau. Il reste 90 km à couvrir, le froid insistant, les descentes piégeuses et les cols de Romeyer et du Mont Noir sont encore au programme. Je suis venue repérer le parcours vélo il y a 3 semaines, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Je sais que c'est très dur et c'est long aussi, donc il faudra bien gérer. Jeanne gère, derrière elle s'accroche. Depuis la sortie de l'eau, les écarts sont stables entre les dames. Carla Dahan, Marion Legrand, Aurélia Boulanger, Inès van der Linden sont en embuscade. Les routes détrempées peuvent à tout instant modifier la physionomie de cette course qui se veut sélective. Quelques kilomètres roulants, ça change un peu. Les gorges de la Bourne, la Balme de Rancurel et les deux gros morceaux, le col de Romeyer et celui du Mont Noir. Étienne Dimunch et Thomas Navarro ne se quittent pas. Marquage en bonne et due forme. Navarro, l'ancien cycliste élite passé au triathlon en 2016, connaît la faiblesse de son adversaire. Inutile de forcer le trait. C'est l'Espagnol Eric Merino, vainqueur du Ventoux-Man en 2017, qui est désormais en troisième position. Romain Guillaume a abandonné, un caillou, encore un, a endommagé sa roue arrière dans la descente du col de la machine. Lui est passé tout près de l'abandon aussi, mais depuis sa sortie de l'eau, il s'est réchauffé, et de quelle manière ? Diego Van Looy comptait 10 minutes de retard sur les premiers, au moment d'attaquer le parcours cycliste. Il n'est plus qu'à 7 minutes de la tête de course, à 40 km de la deuxième transition. C'est encore loin, mais le Belge est un ancien cycliste et un excellent coureur à pied capable de réaliser un marathon en moins de 2h25. Saint-Nazaire en Royan, fin de la boucle vélo. Le vainqueur du spectaculaire triathlon de Cannes 2016 est le premier à poser pied à terre. Bonne et mauvaise nouvelle à la fois. Il sait qu'il est un coureur solide, rapide, capable de rivaliser avec les plus puissants, mais il est handicapé par une douleur à un mollet qui l'empêche de participer jusqu'au bout à ce triathlon. Thomas Navarro arrivé quelques secondes derrière Dimunch.
récupère donc le leadership de cette épreuve. Et il connaît la pression désormais qui existe sur ses épaules. Merino, Van Houten, Van Looy, un Espagnol, deux Belges, les trois coureurs terminent ensemble l'épreuve cycliste. 5 minutes les séparent de Thomas Navarro à l'entrée de T2. 3h56-48 pour Navarro sur le parcours cycliste, 3h56-21 pour Diego Van Looy. Les deux hommes ont un point commun, ils sont deux anciens cyclistes élites. Sept minutes. Allez, Diego, allez, Diego. Troisième, Diego. Trois boucles de 7,4 km à réaliser avant de franchir la ligne d'arrivée. Un tracé difficile, fait de relances et d'appuis incertains. Les organisateurs ont joué avec leur environnement pour dessiner ce parcours mi-asphalte, mi-naturel, qui mène les concurrents au milieu de décors magnifiques et préservés. Jeanne, toujours à l'attaque. 4h38.05 pour son chrono vélo. Ça va être compliqué de faire mieux. Aurélia Boulanger, deuxième, n'est pas très loin. Une grosse minute 30 les sépare au classement général provisoire. Comme en fait c'était plus ou moins prévu, il y a 15 jours de ça, je me suis fait une petite blessure au mollet, une petite déchirure, pas très grosse, mais voilà. Et donc, les médecins m'avaient dit qu'éventuellement je pouvais ne pas aggraver. C'était la douleur qui devait dicter. Et à la pose du vélo, la douleur était trop présente. Donc le but, c'est quand même de ne pas se faire trop de mal et de préserver sa santé. Donc voilà, j'ai quand même ces dernières années beaucoup galéré avec les blessures. J'ai pas envie de repartir dans un cycle et je préfère être prudent. Donc c'est vrai que c'est frustrant en posant le vélo en tête avec un peu d'avance. Il y avait matière à faire un beau résultat, je pense. Mais voilà, c'est comme ça. C'est vrai que ça faisait mine de rien plaisir de reprendre un départ, même si je savais qu'il y avait peu de chances que j'aille au bout. Et ouais, ça fait plaisir de retrouver enfin des épreuves et puis que la vie continue un peu, quoi. On n'a pas eu de saison de triathlon cette année, elle va être super courte, mais au moins on va profiter à fond de ces deux derniers mois. Dans chaque descente, j'avais de plus en plus froid, jusqu'au moment dans la descente du col de la Magine où je casse mon rayon de roue arrière. J'étais déjà très loin, j'étais dans ma tête, je savais déjà que j'allais arrêter tôt ou tard parce qu'il me restait encore un col et on monte à 1400 et faire la descente comme ça, c'était pas possible. Donc c'était la goutte d'eau qui a fait, on va dire, déborder le vase, mais c'est surtout, ça m'a empêché de rouler, hein. La roue était complètement voilée. Lâche pas. Et il est à bloc, hein. Allez.
Images très spectaculaires qui traduisent parfaitement l'intensité de l'effort produit par ceux qui jouent les premiers rôles. Eric Merino résiste tant qu'il est possible pour garantir une place sur le podium. À 2 km de l'arrivée, Diego Van Looy lui a chippé la deuxième place et fonce sans se retourner désormais sur le leader qui tente lui aussi de résister jusqu'au bout. L'immense foulée de Van Looy a finalement raison de la résistance de Thomas Navarro. À 1 km de l'arrivée, le Belge dépasse le Français et se dirige en vainqueur vers la ligne d'arrivée. 22 km courus en 1h16 minutes et 48 secondes pour un temps total de 5h55 minutes et 27 secondes. Van Looy, dossard numéro 1, tient son rôle et répond de magnifique façon aux organisateurs qui souhaitaient une épreuve de caractère capable de produire de nombreuses surprises et couronner de véritables conquérants. 28 secondes, c'est l'écart infime qui sépare le premier du deuxième après presque 6 heures de course. Navarro est passé tout près d'une victoire, mais a donné encore plus de relief à ce Vercorman 2020. C'est un combat de très costaud qu'ils ont proposé. En troisième position, c'est finalement Timothy Van Houten qui se présente sur la ligne. Je suis vraiment content pour gagner la première édition ici. C'est une organisation très magnifique. J'espère pour retourner la prochaine année. Les 22 km de course à pied ont donné lieu à de superbes empoignades. Le tracé promettant des souvenirs et notamment en fin de boucle avec un passage à plus de 15% qui brûle les cuisses et laisse les corps meurtris. Les écarts à l'arrivée et l'identité du podium. Et c'est vachement mitigé quand même sur ce résultat parce que c'est vrai que peut-être qu'avant la course j'aurais signé pour une deuxième place. Après, vu comment la course s'est passée, le scénario, c'est vrai que là je perds à 30 secondes sur une épreuve de plus de 6 heures. Donc 30 secondes c'est vraiment rien. Bon, après j'ai pas trop à rougir parce que c'est vrai que c'est le meilleur coureur au monde quand même. Il a fait un marathon de 24, c'est quand même exceptionnel. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu de perdre juste à 1 km de l'arrivée, mais je suis quand même content. La course est superbe, la natte était top. Le parcours vélo est très dur, donc moi ça me correspondait bien. Et le parcours course à pied était aussi très exigeant, malheureusement un peu trop aujourd'hui pour moi, mais c'était une super course. Elle a dominé de bout en bout cette épreuve et ajoute une nouvelle victoire à son palmarès déjà phénoménal. Jeanne Collonge est là où on l'attendait. Elle termine au sprint avec un immense sourire, elle aussi. Aurélia Boulanger prend la deuxième place et a défendu avec panache son titre de championne de France de triathlon longue distance. Anaïs Martin, vainqueur du triathlon des Gorges de l'Ardèche l'an passé, termine à la troisième place. Les écarts. Magnifique combat auquel nous avons assisté chez ces dames aussi en dépit des conditions rudes. J'avoue, vraiment pas du tout terrible en natation ni à vélo, parce que j'ai eu froid en natation et à vélo. Donc en fait, ça m'a tétanisé les muscles et j'arrivais pas à monter comme je sais monter. En descente, c'était une catastrophe. Enfin, ça a été vraiment très long. Mais au final, j'étais quand même en tête. Et après, à pied, j'ai eu peur que ça revienne derrière. Donc j'ai fait le maximum et je me suis sentie vraiment bien à pied. Donc après, voilà, ça, je pense que la course à pied m'a bien aidée. Et surtout, j'ai pas eu froid à pied, donc ça, c'était génial. Après, c'était vraiment une course de guerrier. Hein, donc bravo à tous ceux qui sont finishers là, parce que... Il y a eu plein de fois à vélo où je me suis demandé ce que je foutais là, vraiment, on ne voyait rien. On était au sommet des deux cols, là, on était dans la brume, sous la pluie, il faisait 0 degré, enfin, c'était très dur. De cette organisation Cap Event, est-ce que c'est une organisation qui va se développer? En ce qui concerne le premier verdict de ce Vercorman, il est tombé avec une course qui a tenu toutes ses promesses, vraiment, avec les conditions dantesques, qui fait déjà une première édition qui va rester dans les annales, comme on dit. Un Diego Van Looy qui a survolé la course à pied, fidèle à lui-même, qui a remonté tout son retard pour écraser finalement la partie course à pied et passer premier dans les tout derniers hectomètres pour remporter ce premier ODF Vercorman. Et une Jeanne Collonge qui surfe sur sa grande forme du moment et qui a remporté le prix chez les femmes.
Et à la fin de l'histoire, tout le monde gagne. Les premiers, comme ceux plus discrets qui ont écrit cette nouvelle page du triathlon longue distance, en donnant corps, et parfois leur corps, à ce Vercorman fraîchement né mais bien né. Cédric et Joël avaient promis la différence. Objectif atteint.